Dobar večer. I hvala na posjeti večeras. Na drugom u posjetu Jacques Rancière Zagrebu u posljednjih 5 godina. Tri su zapravo neki način dinamike ili okvira vezano uz Jacquesovo gostovanje ovaj put u Zagrebu. Prva stvar, to da se očigledno gospodinu Rancière naši krajevi ljudi sviđaju i dopadaju. Tako da od 2000. godine Rancière bio gost Zagreba, Beograda, Ljubljane, Novoga Sada, Skopija i ovaj put će biti, znači, taj treći gostovanje u Zagrebu i Sarajevu. Nešto kasnije ove godine i onda i u Ljubljani. Moram napomenuti, naravno, da je, kao što možete zamisliti, i ovo gostovanje zapravo realizirano sa više partnera, organizacija. Sigurno nama kao Multimedijalnom institutu najvažniji partner su kolege i drugovi iz edicije Jugoslavija, koji su također dosta radili na svim ovima gostovanjima i između ostaloga i preveli nekoliko Rancièrovih knjiga. Mislim, to nam se čini važno toliko što je, kao, barem za oni koji znaju, ja se nadam da većina vas zna, da je ove godine na Hrvatskom zapravo izašlo to najvažnije Rancièrovo filozofsko političko djelo, La Mésentente, Nesuglasnost. Tako da zapravo od ove godine i sa izdanjima koja će doći, čini mi se da ipak imamo ova najvažnija Rancièrova djela prevedena na naš jezik ili na naš jezik, kako god. Druga stvar koja je važna, čini mi se također okvir, to da gospodin Rancière dolazi u momentu ili na neki način u sklopu naših vlastitih izdavačkih djelatnosti kojima smo se pokušali baviti, znači u Multimedijalnom institutu, uopće pitanjem prirode slike, bilo, znači slike i pokretne slike, znači filma. I tu mi je jako drago da zapravo, kao što vjerojatno isto velika većina vas zna, prije 2 godine smo bili objavili jedno kolo knjiga koje su na neki način sad ova knjiga koja je danas tu se može nabaviti, Belatar, Vrijeme od poslije, zapravo 4. knjiga koja čini neku vrstu poliptiha. Znači to su bile knjige Georges Didier Bermana, Lasla Krasnohorka i Eyala Weizmana i Toma Kinana. Čini se također da je to zapravo važno i na neki način i ova promišljanja, ovo što ćete večeras čuti, se na neki način nastavlja na tu priču o prirodi, istraživanja prirode, slike i pokretne slike. I treća stvar da to napomenem, znači treći okvir, to se na kraju tako donekle ironično dogodilo, da ovo je vjerojatno zadnje veliko dešavanje u sklopu francuske sezone u Hrvatskoj, tako da sve što je počelo u umjetničkom paviljonu sa Augustinom Rodenom i njegovim mislijacem, zapravo će večera završiti sa Jacquesom Rancièrom tu u MSU, tako da na neki način činim se da to je to fini okvir za kontekst ovoga dešavanja večeras. Ono što moram napomenuti tehnički, znači sutra u 13 sati na Akademiji dramskih umjetnosti u njihovoj dvorani u Frankopanskoj, bit će održan razgovor sa Jacquesom Rancièrom, koji zapravo onda, koliko god je to moguće, bi ga pokušali održati horizontalnim, znači da se slobodno, recimo, skupite hrabrost ili kako god već da shvatite to kao naš poziv za razgovor ili propitivanje Jacquesa Rancièra. Znači, to je sutra u 13 sati. To napominjem zato što večeras smo zapravo nakon izlaganja koje će zajedno sa filmskim istječnicima trati nešto malo više od sat vremena, ćemo zapravo imati jako malo pitanja, svega par pitanja ćemo tu zapravo uzeti od vas, tako da se ne osjetite isključenima, na neki način to će onda sutra, znači u 13 sati bi trebalo biti nadoknađeno. Znači nakon izlaganja koje će biti na francuskome sa prevodom na hrvatski, tih par pitanja će zapravo biti na engleskome, tako da i da je tu malo onda ubrzamo komunikaciju. Evo, toliko od nas, hvala još jedan put i nadamo se, mislim da ovo gostovanje Rancièra nije zadnje tu u Zagrebu, ali na neki način da i to nisu zadnje knjige koje će od njega biti objavljene ili koje ćemo mi objaviti. Evo, još jednom svima hvala i pomognite mi da pozdravimo Jacquesa Rancièrini pjesmu. So thank you, Peter, for the introduction and for the invitation. So I must also thank MAMA in general and thank the translator and the
technicians for their help. Now I switch to French. Bon, les remarques que je proposerai ce soir appartiennent à une réflexion plus large sur les fictions du temps. J'appelle fiction du temps les formes de structuration des rapports de temporalité et les modes de rationalité de l'enchaînement temporel qui structurent nos perceptions de la politique et de l'histoire, aussi bien que de la littérature et de l'art. Cette définition implique elle-même une redéfinition de la notion de fiction. On oppose toujours la fiction, conçue comme invention de situations imaginaires, à la réalité solide, à laquelle ont affaire, sous des formes différentes, ceux qui travaillent la matière, ceux qui pénètrent la structure des choses et ceux qui agissent pour changer les situations. Pourtant, nous savons au moins depuis Aristote que la fiction est bien plus que l'invention d'êtres imaginaires. Elle est une structure de rationalité. Elle est un mode de présentation qui rend des choses, des situations et des événements perceptibles et intelligibles. Et elle est un mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d'enchaînement causal entre des événements et qui donne à ces formes la modalité du possible, du réel ou du nécessaire. C'est dans cette optique que je parlerai ce soir à partir d'extraits de trois films qui correspondent à trois moments différents de l'histoire du cinéma, le moment expérimental des années 1920, le moment classique du cinéma hollywoodien représenté par un film de 1940 et le moment contemporain avec un film du début du XXIe siècle. Si j'ai choisi ces moments de films situés à des moments différents de l'histoire du cinéma, c'est aussi parce que ces films nous parlent de leur temps. Ils nous parlent du moment historique où ils ont été conçus et réalisés. Ils témoignent des espérances et des conflits, des désillusions et des désastres qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Mais aussi, et c'est l'aspect le plus important ce soir, ils ont adopté, pour nous parler de leur temps, un certain traitement du temps. Réfléchir donc sur ces quelques moments sera travailler sur le rapport complexe entre plusieurs temporalités, entre, premièrement, les modes de structuration du temps à l'œuvre dans l'enchaînement des images d'un film. Deuxièmement, les transformations de ces modes dans l'histoire du cinéma. Et troisièmement, les rapports de ces modes et de leurs transformations avec l'histoire globale à laquelle ils appartiennent et qu'ils cherchent à exprimer. Donc, je voudrais montrer comment le cinéma a utilisé pour penser et pour exprimer l'histoire à laquelle il appartient, sa ressource la plus essentielle, à savoir sa capacité de mettre plusieurs temps dans un même temps. Donc les trois moments cinématographiques que j'ai choisis témoignent de la multiplicité des combinaisons possibles entre des propriétés temporelles différentes, continuité et fragmentation, enchaînement et répétition, succession et coexistence. Mais aussi, ils sont autant de manières d'appréhender le temps de l'histoire dans la tension entre trois temps, un temps du récit, un temps de la performance et un temps du mythe. Je partirai donc d'un des films les plus significatifs des années 1920, c'est-à-dire du moment de conjonction entre l'expérimentation du nouveau médium cinéma et la grande expérimentation sociale appelée Révolution. Donc je parlerai d'un film dont j'ai déjà parlé, mais selon une perspective différente, à savoir L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Comme on sait, le film se présente comme un film sans histoire racontée, sans acteurs jouant des personnages, sans mots racontant une action ou exprimant des sentiments. Il est, dit le cinéaste, une expérimentation de communication cinématique de faits réels. On ne peut pas, pourtant pas le ranger dans la catégorie du film documentaire opposé au film de fiction. L'expérimentation proposée par Vertov se situe en deçà de ce partage. Communiquer cinématiquement des faits réels, ce n'est pas simplement user du cinéma pour faire connaître une réalité.
communiquer et faire œuvre de langage. Mais ce langage n'est pas un moyen pour montrer une réalité qui lui serait extérieure. Pour deux raisons. D'un côté, les mots de ce langage sont eux-mêmes des réalités, des gestes, des mouvements empruntés au quotidien de la vie et du travail. Deuxièmement, la communication n'est pas simplement la transmission d'informations. La communication cinématique n'est pas un moyen, pour Werthoff, de parler de la réalité du communisme en construction, elle est un moyen de construire ce communisme. Communiquer veut dire relier, et communiquer cinématographiquement veut dire relier en mettant en mouvement. Ainsi, le langage cinématographique construit la réalité sensible du communisme par sa machine de mouvement qui relie une multiplicité de mouvements différents. En assemblant en une seule totalité les activités d'une multiplicité de bras, de corps, de machines, le cinéma veut créer le tissu sensible de la vie nouvelle. Donc, la nouvelle langue n'est pas simplement une langue des images. Et le montage n'est pas simplement cet art de rapprocher des images dont parle Godard dans ses histoires du cinéma. Il est un moyen de rapprocher des temps, de mettre une multiplicité de temporalités en un seul temps. Bon, cette construction d'un temps commun, Werthoff l'opère au sein d'une unité temporelle qui est la journée. Le film nous montre le déroulement d'une journée ordinaire, depuis l'éveil du matin jusqu'aux distractions du soir, en passant par les heures au travail. Bon, c'est la même structure qui commande à l'époque un autre film, Berlin, symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann. Bon, donc on pourrait rattacher cette histoire, cet usage du temps au souci documentaire, mais l'histoire d'une journée n'est pas la documentation d'une journée. C'est une structure fictionnelle caractéristique de cette époque et qui a été illustrée peu avant ce film par deux œuvres littéraires qu'on ne peut absolument pas classer comme des reportages documentaires, à savoir Ulysses de James Joyce et Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Mais aussi, cette structure fictionnelle correspond à une révolution dans la fiction. Jusque-là, la logique fictionnelle avait été commandée explicitement ou tacitement par la distinction aristotélicienne entre deux types de temporalité. D'un côté, bon, je renvoie au livre 9 de la Poétique d'Aristote, d'un côté, le temps de la chronique qui décrit les choses comme elles arrivent, les unes après les autres. De l'autre, le temps de la rationalité fictionnelle qui nous montre comment les choses peuvent arriver, c'est-à-dire que l'ordre de déroulement du temps, dans ce cas, s'identifie au développement d'une logique causale. Cette distinction entre deux types de temporalité reposait elle-même sur l'opposition entre deux usages du temps et deux formes de vie. D'un côté, le temps des hommes dits passifs, vivant dans l'univers quotidien des choses qui arrivent les unes après les autres. De l'autre, le temps des hommes dits actifs, vivant dans le temps des fins projetées et des moyens qui éventuellement produisent d'autres effets que les effets qui étaient attendus. La fiction nouvelle, à l'inverse, revendique un temps du quotidien qui est fait d'une multiplicité d'événements sensibles microscopiques, tous égaux en importance, et qui relie la vie de chacun à la grande vie anonyme qui ne connaît aucune hiérarchie. C'est pourquoi le cadre de la journée ne substitue pas simplement la succession empirique des petits faits à l'enchaînement causal des grands événements. Plus profondément, il substitue au temps de la succession, qui est un temps qui se prête toujours à une mise en ordre hiérarchique, un temps égalitaire de la coexistence. Bon, c'est cette démocratie fictionnelle que le montage werthovien transforme en construction du temps communiste. Les activités rassemblées par le montage, en effet, ne sont pas une chronique suivant le déroulement de la journée. Ce sont autant de mouvements des corps et des machines, autant de gestes des mains, qu'il s'agit de relier en les rendant synchrones par deux opérations fondamentales. Premièrement, en les fragmentant en très courtes séquences, font des unités de mouvements
détachées de leurs fins propres. Deuxièmement, en les faisant passer les unes dans les autres à toute vitesse pour les emporter dans un même rythme d'ensemble, dans une même symphonie de la vie nouvelle, dont je voudrais maintenant que nous regardions un extrait. So, if we can see the first film, please. And if we can switch off the lights. Okay, thank you. Bon, ce qui nous frappe dans cet extrait et ce qui caractérise en fait tout le film, c'est l'extrême fragmentation. Nous avons vu à peu près 120 plans pour un peu moins de 4 minutes. Le seul mouvement de caméra est cet aller-retour à toute vitesse entre deux visages de femmes que nous avons vus. Un peu plus loin dans le film, le mouvement atteindra la vitesse de 35 plans en 25 secondes, sans parler des surimpressions. Pour cette fragmentation, il faut faire deux remarques. La fragmentation a été assimilée par certains à la perte de l'expérience constitutive de la modernité, par d'autres à une construction autoritaire des rapports entre image et signification, répondant dans le monde de l'art au modèle de la division tayloriste du travail. Or, ni l'une ni l'autre de ces conceptions ne s'applique ici. La fragmentation n'est pas une forme de rupture qui marquerait soit une perte de sens, soit à l'inverse, un forçage de la signification. Elle ne décompose pas une tâche en plusieurs opérations complémentaires à la manière tayloriste. Au contraire, elle efface toutes les différences. Elle fait de toutes les activités des unités de mouvement identiques qu'elles font en un même continuum sensible. Elle les intègre dans cette continuité en annulant toutes leurs spécificités, en les séparant à la fois de la temporalité définie par leur fin propre et de la hiérarchie des formes de vie à laquelle elles appartenaient. C'est pourquoi l'opération de la manucure qui fait les ongles d'une cliente d'allure bourgeoise, celle des ouvrières à la chaîne dans une fabrique de cigarettes, du cireur des rues à la mode de Paris ou des employés d'un central téléphonique sont rendues équivalentes, alors même que certaines appartiennent au vieux monde bourgeois et d'autres au nouveau monde industriel et socialiste. Toutes ces opérations sont des gestes de main que la fragmentation et l'accélération rendent équivalents. Ce qui est communiste n'est donc pas la nature des activités, mais la nature de leur liaison, leur capacité de se fondre les uns dans les autres comme éléments d'un même mouvement d'ensemble. Le rôle joué par les surimpressions plus loin dans le film est remarquable à cet égard. Dans la tradition expressionniste des années 1920, la surimpression, cette figure de la rhétorique cinématographique, a été massivement utilisée pour figurer la rencontre inquiétante de deux mondes, le monde des morts et celui du vivant. De Nosferatu à Vampire, le cinéma y aura connu un personnage privilégié, le fantôme, l'habitant d'un temps révolu qui se mêle au temps des vivants. La surimpression, donc, y est de la nature de l'ombre. Chez Vertov, à l'inverse, le règne du mouvement dissipe les ombres. Et la surimpression démontre matériellement qu'il y a un seul temps, en ramenant toutes les activités des corps sur la surface de l'écran à des unités homogènes de mouvement. C'est ainsi que le film veut répondre à la tâche que le temps où il vit lui impose, donc en construisant sensiblement le temps commun de la vie nouvelle. Mais ce qu'il doit alors opposer à la temporalité de la fiction et à ces enchaînements de causes et d'effets est une temporalité spécifique, caractéristique de la modernité esthétique, le temps de la performance. Lorsque Godard oppose la puissance de l'image ouverte dans toutes les directions à la contrainte du scénario inventé par un petit comptable de Hollywood, il oublie que c'est en tant que fraction de temps que l'image cinématographique s'ouvre au jeu des métamorphoses. Il oublie aussi que la forme temporelle que la modernité esthétique a opposée fortement à la vieille logique des histoires, c'est la forme temporelle de la performance, c'est-à-dire du mouvement qui se déplie et qui se boucle sur lui-même à travers une série de métamorphoses.
la construction cinématique de la journée socialiste en ce sens et la construction d'une performance. C'est pourquoi d'ailleurs Vertov intègre ostensiblement à sa journée une activité spécifique, celle du prestidigitateur, producteur de métamorphoses pour le plaisir des enfants que nous voyons apparaître à un autre moment du film. C'est surtout pourquoi la symphonie de la journée est encadrée par lui dans un autre temps, le temps du spectacle cinématographique. Le film commence dans une salle de cinéma où, à la fin, la symphonie de la journée est présentée à des spectateurs qui, en fait, sont ses acteurs, c'est-à-dire les anonymes que la caméra a saisis dans leur activité quotidienne. Cette séance de cinéma finale est en même temps un moyen de ramener la multiplicité des moments de la Grande Symphonie à quelques symboles du mouvement commun ou communiste. Les gestes des employés du téléphone qui sans cesse assurent des connexions nouvelles, le sourire de l'ouvrière en surimpression sur le mouvement de la roue à filer, mais aussi les gestes d'une femme chef d'orchestre, des trompettes dont les images se fondent dans un même vertige visuel, des danseuses dont les mouvements traduisent l'élan collectif, mais aussi une caméra qui sort elle-même de sa boîte et salue le public avant de se ranger elle-même à nouveau dans sa boîte. La grande symphonie unanime de la vie communiste ne s'oppose au temps des vieilles histoires sentimentales qu'en s'identifiant finalement au temps de la pure performance qui se déplie avant de se refermer sur elle-même. Bon, cette identification de la vie nouvelle soviétique à la symphonie heureuse des mouvements égaux a suscité bien des critiques. Je m'arrêterai seulement sur une d'entre elles, ou plus exactement sur un film fait l'année suivante, qui réalise la critique par le fait du film de Vertov, et tout particulièrement de son usage du temps, La ligne générale de Eisenstein, dont le titre originel, L'ancien et le nouveau, oppose clairement deux temps et deux formes de vie. Ce que Eisenstein enseigne à Vertov, c'est qu'il n'y a pas de symphonie heureuse qui prenne dans le même rythme les soins des salons de beauté et le travail à la chaîne. Il y a un rythme du monde ancien et un rythme du monde nouveau. Mais ce qui différencie le nouveau de l'ancien, ce n'est pas d'être qu'il soit plus synchrone et qu'il soit synchrone et qu'il aille plus vite. C'est plutôt le fait qu'il soit plus frénétique. L'ancien, chez Eisenstein, ce sont moins les vieilles méthodes agricoles que les cérémonies des prêtres pour faire venir la pluie. C'est le délire des prosternations et des génuflexions dans lesquelles le peuple s'abîme. Et le nouveau, ce ne sont pas seulement les machines comme automatisme parfait. Au contraire, on s'en souvient, le tracteur tant attendu commence par tomber en panne. Et sa réparation exige que la paysanne Marfa fasse le sacrifice de sa jupe et de sa pudeur. Les machines, en effet, sont des objets d'amour et de sacrifice. C'est ainsi que l'écrémeuse est transformée en objet d'adoration eucharistique. Chez Eisenstein, donc, le temps nouveau n'est pas celui des tours de prestidigitation. Il est celui des grandes fêtes orgiaques que résume dans le film la cérémonie des doses du taureau ou le déferlement de ruisseaux de lait. Le langage du cinéma, pour Eisenstein, n'est pas celui de la performance qui se déploie et se replie. C'est un langage primitif qui fait communiquer le tout nouveau de l'histoire en marche avec l'immémorial du mythe. Donc, tout à l'inverse de Vertov, le montage, pour lui, est une désynchronisation des temps. C'est cette désynchronisation qui fonctionne encore d'une autre façon au cœur du cinéma hollywoodien classique, cette usine à rêve en salle obscure que Godard confronte à l'usine à rêve soviétique. Je voudrais le montrer à propos d'un film qui pourtant obéit apparemment à une logique narrative traditionnelle, avec un scénario tiré d'un roman qui traite d'un grand problème social contemporain et une histoire structurée autour d'un personnage central incarné par un acteur vedette, soit Les raisins de la colère, The Grapes of Wrath, réalisé en 1940 par John Ford à partir du roman de John Steinbeck qui relatait l'exode des fermiers de l'Oklahoma, chassés de leurs terres,
par le double effet de la sécheresse et de la mécanisation, et rencontrant en Californie l'exploitation sauvage des ouvriers agricoles par les trusts capitalistes du commerce des fruits. Or, cette histoire en ligne droite se trouve d'emblée doublée et disjointe par une autre temporalité que je voudrais montrer à l'œuvre dans l'extrait suivant, donc près du début du film, qui commence dans la maison abandonnée où le fils de la famille qui sort de prison, Tom Joad, accompagné par le pasteur défroqué Casey, cherche en vain à retrouver ses parents. So if we can see the second film, please. Toute cette séquence semble centrée autour de deux images choc, celle de l'arrivée de ces tracteurs qui semblent être des monstres mythologiques, puis cet autre personnage auquel la contre-plongée donne une dimension colossale, le tractoriste ganté et casqué de cuir, qui va mettre par terre la maison et poursuivre tranquillement son chemin. Ces images, nous les reconnaissons aussitôt. C'est l'exacte réplique de l'armée des machines et du héros des temps nouveaux célébré dans la ligne générale d'Eisenstein, le conducteur de la machine qui allait permettre à l'agriculture collective de vaincre les coulaques et de faire triompher la révolution. Ici, le tractoriste incarne la même image du temps nouveau, mais l'image a changé de camp. Le fier tractoriste est l'agent du pouvoir anonyme de la finance qui, pour chasser les paysans de leurs terres, va jusqu'à raser leurs maisons. Il y aurait beaucoup à dire sur cette inversion du sens d'une image maîtresse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le type de temporalité au sein de laquelle intervient cette inversion des symboles. Et c'est le rapport que ça implique entre l'histoire, avec la petite histoire que raconte le film, et la grande histoire dont il rend témoignage. En effet, à cet endroit, le film introduit une condensation significative. Le roman décrivait synthétiquement en un chapitre la manière dont se passaient les expulsions. Or, l'histoire ici est vue à travers le regard d'un personnage, le nommé Muley. Mais ce personnage lui-même semble surgi du néant, comme un fantôme, dans cette maison plongée dans l'obscurité où là, il y a la flamme d'une bougie qui cerne les visages perdus dans la nuit. C'est un bruit infime qui oriente Tom et sa bougie vers son visage halluciné, un visage qui semble tout entier habité par l'histoire qu'il a vécue. Cette histoire, il l'évoque d'abord dans un monologue aux accents un peu shakespeariens, puis il y a un jeu de fondu enchaîné qui semble suivre la direction de son regard et qui met en rapport le présent de ce dialogue d'ombre et le récit de l'expulsion, comme si ce que nous voyons sur l'écran était ce qui s'est imprimé sur la rétine de Muley. L'expulsion qui donne son moteur à l'histoire ainsi n'existe que dans le regard et la parole hallucinée du personnage fantomatique dont c'est le cauchemar. Un personnage dont la performance guide le déroulement du film pendant 7 ou 8 minutes avant de disparaître de l'histoire. C'est comme si, avec cette performance, le rapport de l'histoire racontée à la grande histoire se divisait en deux. L'expulsion est l'événement qui va mettre en marche la famille Joad et l'ancien pasteur Casey jusqu'en Californie. Mais cet événement, pour nous, n'aura existé visuellement que comme le cauchemar ou le trauma d'un individu qui, lui, ne partira pas, Muley comme l'homme que l'histoire a frappé, et que l'histoire a par cela même soustrait aux combinaisons narratives des histoires tendues vers leur fin. En un sens, ces 8 minutes qui marquent le passage de l'histoire sont comme un moment détaché de l'intrigue, confié à un supporting actor qui aura fait pendant ces 8 minutes son film à lui. Mais ce supporting actor n'est pas n'importe qui. C'est un symbole incarné d'un moment de l'histoire et de la légende américaine. Cet acteur, en effet, John Crallen, est un acteur d'origine norvégienne qui a traversé 30 ans de cinéma hollywoodien en jouant le plus souvent le rôle de l'immigrant scandinave attaché à la terre que le nouveau monde américain lui a offerte. Et notamment, 7 années plus tôt, il avait joué dans le film de King Vidor, Our Daily Bread,
un film qui témoignait de la grande espérance du début des temps rooseveltiens, un film qui glorifiait une communauté agricole fraternelle, qui offrait une vie nouvelle à ceux que la crise économique avait chassés des villes. Et le moment fort de ce film, Our Daily Bread, était l'effort collectif de tout le monde pour creuser un canal permettant d'irriter les terres. Et ce moment semblait une transposition américaine des scénarios russes de la communauté pionnière. Or, c'est ce scénario dont le même acteur, ici, semble incarner la fin, donc 7 ans après. Donc, la performance, cette performance singulière d'un homme halluciné connecte ainsi la blessure de l'histoire à un temps qui semble séparé de tout futur. Elle le connecte au hors-temps du mythe. Et de même que cette vision hallucinée de Muley inverse la scène soviétique glorieuse du tractoriste, héros des temps nouveaux, son retrait, sa disparition, semble faire écho au scénario de Bertolt Brecht qui, à la même époque, opposait la dialectique de l'histoire aux individus qui la subissent passivement. Les raisins de la colère est contemporain de Mère Courage de Brecht, l'histoire de cette femme qui s'obstine à ne pas comprendre la guerre que la logique du profit mène contre les humains. Dans les années 1950, Barthes résumait l'effet de la pièce de Brecht en une formule célèbre « Parce que nous voyons Mère Courage aveugle, nous voyons ce qu'elle ne voit pas ». Mais c'est une toute autre dialectique que nous offre la division des temps dans le film de John Ford. Car le hors-temps dans lequel Muley s'enfonce n'est pas le temps de l'ignorance et de la passivité opposé au temps de la lutte et de la prise de conscience. C'est le temps d'une inscription de l'irréparable. D'un côté, ce temps semble révoquer toute histoire de salut collectif, mais aussi, il est ce qui donne à ces histoires leur radicalité, à savoir la marque de l'inconciliable. Ce moment séparé dédouble la ligne de l'histoire racontée. D'un côté, l'histoire de Tom Joad et celle du paysan chassé de ses terres qui va découvrir, avec la condition d'ouvrier agricole exploité, la réalité de la lutte des classes et la conscience du travailleur combattant. Mais ce chemin de l'obscurité à la clarté est doublé par une histoire d'ombre qui progresse de nuit en nuit, de clair-obscur en clair-obscur et d'hallucination en hallucination. En effet, c'est dans la nuit que Tom retrouvera plus tard, dans une tente éclairée par la lumière des bougies, l'ancien prédicateur Casey, devenu chef syndical et bientôt abattu par les chiens de garde des patrons. Et c'est dans la nuit que Tom, menacé à son tour, dira adieu à sa mère en promettant d'être présent désormais partout où des hommes et des femmes se battront pour leur dignité. Ainsi, le combattant de l'avenir du peuple se transforme lui-même en une présence invisible, une ombre enfoncée dans la même nuit d'où, au début, Muley avait émergé avant de disparaître à nouveau et à jamais. Ce cheminement de nuit en nuit ne vient pas effacer la violence du témoignage sur la férocité de l'exploitation sociale. Celle-ci est au contraire radicalisée par la dimension mythique que confère à la marche des paysans dépouillés les trois corps hallucinés de Muley, de Casey et de Tom. Nous ne trouvons pas non plus là l'opposition godardienne entre l'image ouverte en tous sens et l'histoire qui l'enchaîne et qui annule son potentiel de rapprochement infini. L'histoire est bien plutôt faite de la tension entre des régimes différents d'imagéité, dont les rencontres et les chocs créent des temporalités différentes dans le même continuum temporel. Ainsi, l'image d'un regard dans la nuit dédouble l'histoire et le temps du film, où le film raconte la lutte des classes de deux manières, sur le modèle aristotélicien du passage de l'ignorance au savoir, mais aussi comme la répétition d'une série de trouées de lumière dans la nuit. Il le raconte dans le décalage de deux temporalités qui occupent le même temps, et c'est par ce dédoublement, je pense, qu'il témoigne de l'histoire. Bon, cet équilibre d'une histoire d'apparence linéaire, mais qui pourtant est habitée par des écarts, des stages, des vertiges secrets, pourrait définir l'âge classique du cinéma, âge classique
en opposition à cet âge symbolique, bon, l'âge de Vertov, où le cinéma prétendait construire lui-même la réalité d'un monde sensible nouveau. Bon, dans la tradition hegelienne, on sait le moment classique et le moment où la forme et le contenu de l'art se trouvent en adéquation. Le moment classique du cinéma, alors, serait ce moment d'un art du mouvement des images, capable d'intégrer à la continuité de ce mouvement les écarts ou les vertiges du temps qui la contrarie. Et on pourrait peut-être associer ce moment d'équilibre du récit cinématographique au temps d'une société où les rapports de force sont dans une situation d'équilibre qui les rend clairement visibles et interprétables. Bon, à ce classicisme s'opposerait alors, bon, en termes hegeliens, le moment romantique où le contenu et la forme se séparent à nouveau, ou bien, dans une grille plus contemporaine, le moment dit postmoderne, où les possibilités du récit sur la société et l'histoire se sont perdues dans les grands désastres de l'histoire d'un siècle et dans la faillite des grands récits de l'évolution historique et du conflit social. Pourtant, ce grand schéma, comme ça, du passage du moderne au postmoderne, je crois, rend assez mal compte des intrications de temporalité à l'œuvre dans les films qui tentent aujourd'hui de rendre compte de notre présent. J'ai analysé ailleurs cette intrication des temporalités dans les films de Bélatar, qui mêlent le temps de la fin du communisme avec le temps de son début. Il le fait par une forme de récit qui fait surgir la possibilité du nouveau, du temps même de la répétition. Bon, je voudrais montrer aujourd'hui cette intrication à partir d'une séquence d'un film qui repose à neuf le vieux problème aristotélicien des rapports entre le temps de la chronique et le temps de la fiction. Ce film, Juventude en marcha, en anglais Colossal Youth, fait partie de l'ensemble des quatre films maintenant que Pedro Costa a consacré à la vie de quelques immigrés capverdiens et quelques marginaux dans les faubourgs de Lisbonne. Et à première vue, ces films semblent montrer une sorte de fin de partie historique à l'autre extrême d'un arc dont la symphonie vertovienne définirait le premier moment et la lutte des classes à la manière de Ford, le point médian. Pedro Costa nous montre des ouvriers sans travail et sans classe ouvrière, sans lutte des classes et sans attente d'aucun lendemain. À cette existence d'ouvriers sans classe ouvrière semble correspondre le temps sans histoire de la chronique, ce temps que Aristote opposait à la rationalité de la fiction tragique, ou plus près de nous, ce temps que Althusser opposait à la rationalité dialectique du théâtre, en commentant, dans un texte célèbre, une mise en scène de Giorgio Strehler. Et c'est bien le temps de la chronique que semble suivre l'enquête menée pendant plusieurs années par Pedro Costa dans le bidonville en démolition et ensuite dans les cubes blancs des immeubles sociaux où ses occupants sont relogés. C'est bien cette immersion dans le quotidien que semblait symboliser le titre de son précédent film, Dans la chambre de Vanda, qui était le résultat de deux années passées dans cette chambre où Vanda, sa sœur et ses amis discutaient interminablement de leur vie, tout, disons entre deux préparations de l'héroïne. Il pourrait d'abord sembler que Juventude en marcha, de même, accorde son temps au temps ralenti de ses personnages, et notamment de son personnage principal, le maçon capverdien Ventura. Nous voyons des scénettes de la vie quotidienne, des histoires de travail, d'accidents du travail, des parties de cartes avec son collègue Lento, des rendez-vous avec l'employé municipal pour obtenir un logement social au nom d'une famille imaginaire, des visites et des conversations diverses. Ces scènes sont apparemment trop banales, trop ancrées dans le quotidien pour être autre chose que de la documentation. Mais il faut renverser l'argument. La logique documentaire ordinaire veut justement que l'on aille vite, que l'on mette en valeur les signes, en relief les signes qui permettent de caractériser une situation sociale et de l'intégrer à une analyse globale des rapports sociaux et de leur évolution. Mais c'est justement ce que Pedro Costa ne fait pas. Au contraire, il passe, de ce point de vue-là, trop de temps avec ses personnages,
Ce temps ne nous apprend pas grand-chose sur leurs conditions et sur les raisons pour lesquelles ils la subissent. Mais il donne au contraire à leur corps un pouvoir de perturbation qui nous fait perdre notre sens des connexions admises, des connexions consensuelles entre une situation, ses causes, la manière dont elle est vécue et les conséquences que nous pouvons tirer de tout cela. Cette perturbation se traduit notamment par notre difficulté à ordonner les scènes dans un continuum temporel. Telle scène, présentée dans un présent indistinct, semble être une réminiscence d'un temps plus éloigné. Une autre fois, nous voyons Ventura partir au travail avec son collègue Lento, et nous le retrouvons ensuite tout seul entre deux peintures de la Fondation Gulbenkian. C'est une de ces ruptures dans l'ordre des temps que je voudrais maintenant commenter dans un épisode qui est situé près de la fin du film. So, if we can see now the third film, thank you. Le début de cette séquence opère un basculement entre deux espaces et deux temps. Nous voyons d'abord Ventura dans une rue misérable au sortir d'une de ses visites. Nous le voyons ensuite dans le hall, cet immeuble social moderne et déjà dégradé. Il frappe à une porte donc, dont la couleur brune envahit l'écran et opère une coupure des espaces et des temps. Bon, la porte s'ouvre, Lento cérémonieusement fait entrer Ventura. Or, tout au long du film, ce même Lento a opposé sa silhouette massive et obtuse à la silhouette noire et féline, en même temps sauvage et racée de Ventura. Lento a incarné face à Ventura le travailleur grossier et illettré auquel Ventura tentait vainement d'apprendre le texte d'une lettre d'amour type à envoyer à l'aimé resté au pays. Or, ici, Lento dépouille cette enveloppe du travailleur robuste et stupide. Il devient un visionnaire sorti de la nuit, semblable à l'illuminé Muley chez Ford. Il prend la main de Ventura, tous deux se tiennent face à nous, comme des acteurs de théâtre, et leur dialogue prend le rythme d'une psalmodie tragique avec ses voix alternées. Plus tard, Lento récite fièrement la fameuse lettre d'amour qu'il avait toujours été incapable de mémoriser. Entre-temps, sur ce même ton cérémonieux, il a raconté comment il a perdu sa femme et ses enfants dans l'incendie qu'il avait lui-même allumé par désespoir envers sa condition. Et il a montré donc ses mains brûlées, sur lesquels pourtant nous sommes incapables, même sur grand écran, de discerner aucune trace de brûlure. Alors cette rupture avec le temps du quotidien est en effet aussi une rupture avec toute logique de continuum narratif. Car le Lento que nous avions vu jusque-là n'avait avec lui ni femme ni enfant. Et en plus, le film l'avait déjà fait mourir en le faisant tomber du poteau électrique auquel il essayait de raccorder la baraque qu'il partageait avec Ventura. L'impossibilité de raccorder cet épisode aux autres dans un continuum narratif nous oblige alors à comprendre clairement ce que la forme discontinue et l'allure apparemment nonchalante du récit avaient pu masquer jusque-là. Les épisodes du film ne sont pas du tout des moments vécus de la vie des deux immigrants. Ce sont des fictions, mais aussi des fictions d'un type particulier. Non pas des histoires de personnages imaginés et joués par des acteurs, mais des petites scènes qui sont des formes de condensation de leur histoire et de l'histoire de tous ceux qui partagent leurs conditions de travailleurs immigrés dans les métropoles du capital. Donc ce que Lento lui raconte ne lui est pas du tout arrivé. Mais de fait, c'est arrivé à une famille d'immigrants capverdiens pendant le tournage du film et cette histoire s'est trouvée intégrée à cette performance que Ventura et Lento donnent, non pas comme des acteurs, mais comme des corps porteurs d'histoire et pour cela même capables de symboliser une histoire commune. Il en va alors pour les ouvriers réels de Pedro Costa comme pour le paysan imaginaire de John Ford. Je veux dire que leur performance témoigne de l'histoire pour autant qu'elle se situe dans une sorte de hors-temps. Le Lento, deux fois mort, que nous voyons, est quelque chose comme un mort-vivant, un habitant des enfers qui serait revenu dans notre monde pour témoigner des enfers présents au cœur de notre monde.
Autrement dit, son corps, qui semblait si opaque, est devenu la surface d'inscription sur laquelle la vie de tous ceux qui partagent sa condition apparaît pour ce qu'elle est, à savoir une vie suspendue entre vie et mort, ou une vie de mort vivant. Autrement dit, c'est en tant qu'habitant des enfers qui parle d'au-delà de la vie, que Lento peut juger, comme il le fait, la trajectoire de Ventura, qui a enfin obtenu une carte d'identité, sécurité sociale, logement social, confort moderne, mais n'en finit pas moins seul, avec toutes les blessures que l'exploitation lui a infligées. Ainsi, le temps de la performance se noue au temps du mythe pour dire le passage de l'histoire sur les corps. Et ce nouage des temps brise le cadre consensuel au sein duquel nos sociétés perçoivent ordinairement Ventura, Lento et leurs semblables. Il déplace doublement la place que le régime dominant du visible et du dissible accorde aux travailleurs migrants. D'un côté, avec Ventura et Lento, les pauvres migrants sont plus que des pauvres migrants. Ils sont des artistes capables de transformer leur histoire en une série de petites scénettes dont ils se font les acteurs. Mais de l'autre, ils sont moins que des pauvres migrants, ils sont des morts vivants, des habitants des enfers. Mais cette identité de mort vivant est elle-même double. D'un côté, Lento et Ventura sont des corps mutants, font semblables à ces zombies, ces hommes léopards ou ces femmes chats que mettait en scène un cinéaste contemporain de John Ford, qui est particulièrement cher à Pedro Costa, à savoir Jacques Tourneur. Mais de l'autre, ils sont des juges des enfers qui viennent pour juger les vivants. Ainsi, la chronique apparemment familière de la vie des migrants dans les faubourgs de Lisbonne s'ouvre-t-elle, comme la grande épopée des paysans chassés de leurs terres, à une radicale discordance des temps. Mais le récit cinématographique classique au temps de John Ford était capable d'intégrer le temps discordant, la marque de l'irréparable, d'en faire un dédoublement à peine perceptible dans la conduite du récit. Mais c'est ce que le récit de l'errance des migrants d'aujourd'hui ne semble plus permettre. Le hors-temps de l'irréparable et du mythe s'est maintenant comme dissimulé au cœur de la chronique du quotidien. Et le temps marqué sur les corps de Lento et de Ventura interdit au film de se dérouler comme un enchaînement d'événements narratifs progressant depuis le début jusqu'à la fin. Et corrélativement, ce temps marqué sur leur corps interdit toute lecture des lois de la société et de l'histoire dans le déroulement d'un récit typique. L'organisation temporelle du film, donc celle par laquelle ces moments rendent compte de son époque, se tient alors dans l'intervalle entre un temps de l'histoire, de la grande histoire, un temps de l'exploitation, qui s'est écrit en cicatrices sur les corps, et un temps de la performance, dans lequel ces mêmes corps rejouent les blessures que l'histoire leur a infligées. Donc, Vertov mettait en scène la fin de la lutte des classes dans la grande symphonie du mouvement. Ford représentait la persistance de la lutte des classes au prix de doubler une intrigue narrative de lutte et de prise de conscience par une performance singulière qui reliait le temps de l'histoire au hors-temps du mythe. Chez Pedro Costa, ce rapport entre le temps de la performance et celui du mythe semble avoir entièrement dévoré et annihilé l'instance du récit. Mais il semble aussi s'affirmer comme seul capable de traduire aujourd'hui la violence de l'exploitation et la violence du refus. Cet usage du temps cinématographique ouvre peut-être alors sur une interrogation radicale sur ce que peut être aujourd'hui la temporalité de la politique elle-même. Merci de votre patience.